Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo, le troisième épisode de jeu d'imitation sur la chaîne YouTube. Donc ça faisait longtemps, je ne vous ai pas fait ce petit concept. Donc là, on est au mois d'août, je vais vous profiter de vous faire une petite vidéo pour la mettre dans la semaine ou au cours de mes vacances, parce que je vais partir en vacances les amis. Donc du coup, je vais vous préparer cette vidéo là et puis après, je vais aller en même temps, je vais aller dans un cache samedi avant de partir en vacances, avant que je parte à l'extérieur. Bref, voilà, c'est pas le sujet. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire. Là, j'ai sélectionné aujourd'hui 4 youtubeurs que je connais ou d'autres que je suis de leur chaîne, même si ils sont pas, je sais pas si ils sont abonnés ou pas. Mais la plupart, je sais imiter ou d'autres. Hein, donc, vous inquiétez pas, foutez pas de ma gueule sur les commentaires. Mais voilà. Mais il y a certains, je le connais par cœur, vous allez halluciner. Voilà. Donc c'est parti les amis. Donc je vais vous imiter à peu près 4 youtubeurs. Donc c'est parti. Allez, let's go après l'intro. Salut les mecs, salut les bolos et les bolossettes, les ringards qui jouent encore à la Super Nintendo ou d'autres consoles dans le futur où nous sommes. Aujourd'hui, sur cette vidéo, je vais vous présenter un jeu Neo Geo que j'ai dans la collection depuis longtemps dans ma collection. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo achat de ce que j'ai rentré dans un cache, j'ai préacheté sur Vinted, voilà donc c'est parti, nous allons commencer la vidéo. Alors j'ai pris de la PS2, de la Mega Drive et de la Game Boy, un seul jeu, oh, c'est mieux que rien, c'est parti. Alors je vais vous présenter un des jeux que je suis content de rentrer dans la collection. C'est le Playmobil, donc ça c'est un super jeu que je vous conseille, hein, franchement les graphies sont nickel, la maniabilité est géniale, franchement je vous conseille, c'est un bon petit jeu Game Boy à vous conseiller, voilà pourquoi je l'ai pris et je l'ai eu à 5,50€, voilà franchement c'est super. Ensuite, le deuxième jeu que je vais vous présenter, l'avant-dernier jeu, c'est un jeu de Shoot'em Up. Franchement, un super jeu que je vous conseille parce que c'est un jeu vraiment pas courant sur Mega Drive. Franchement, il cote à peu près 50€ en boîte. Donc, je l'ai pris en loose parce que bah, il cote. Hein, c'est un truc, c'est la folie. Hein. Le rétro gaming sur ce genre de jeu, c'est la folie. Donc, voilà, c'est un jeu de shoot que je suis fan quand même. Donc, voilà, les graphismes sont super, la maniabilité est cool. Non, franchement, je vous conseille vraiment ce jeu-là. Voilà, c'est vraiment de la bombe atomique ce genre de jeu. Je vous conseille. Et le dernier jeu, pour vous finir la vidéo, je vous présente un jeu de PS2. Donc voilà, et c'est le seul jeu que je rends dans la collection. Donc j'ai pris celui-là parce que bah, ce jeu-là, je vais voir ce qu'il vaut. Donc c'est un RPG. Franchement, un RPG vraiment super. Super top, les graphismes sont super, sont géniales, tout est là, franchement tout est bon. Alors je vous montre l'arrière, voilà, je vous montre là qu'il y a bien la notice et le jeu. Franchement en bon état, je l'ai eu à 10€, franchement un super bon prix. Et ah pardon, je vous avais oublié que celui-là je l'ai eu à 20€. Voilà, donc les amis, voilà, c'est bon pour ces achats de ce compte rendu du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me bombarder de likes si vous avez aimé cette vidéo. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les amis. Ouais, salut les amis. Salut à tous. J'ai vraiment craqué en Normandie chez Sony Aventure, alias Doom Slayer. Là, franchement, j'ai craqué. Hein. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Hein. J'ai pris du Star Wars, j'ai pris plein de voilà mes trucs que je kiffe quoi. Donc voilà, c'est parti hein, après l'intro. Thank you.
C'est parti, donc on a, je me suis fait vraiment fait, j'ai vraiment craqué chez Nusler, mon budget est parti, mais il est, mais j'ai craqué chez lui. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec Normandie, avec Doomslayer. Donc c'est parti, je vais vous présenter. Mais j'ai acheté des figurines Star Wars parce que moi je suis un gros fan. Hein. Voilà, vous savez que moi mon concept c'est le Star Wars. L'intro aussi c'est pareil, c'est du Star Wars. Hein. Voilà, donc j'ai pris mon personnage que je kiffe. Je pense que je crois que je kiffe. Hein. Voilà. J'ai pris ça, le fils. Voilà, bref. J'ai pris ça, c'était super cool. Hein. Je l'ai eu. Je l'ai chopé à 40 euros. Moi, je craque, hein, bien sûr. Hein, je craque. Hein, il m'a coûté 40 balles. Hein. Pareil pour celui-là. Hein, j'ai pris le Dark Vador. Hein, franchement, j'ai super craqué. Hein, franchement, j'ai bien craqué. Mais un truc de ouf, quoi. Non, moi, franchement, j'ai craqué à mort pour ce genre de figurine. Je l'ai eu à 100 balles. Hein, franchement, j'ai craqué mon portefeuille. Hein, parce que je le kiffais. Il était magnifique. Et moi, je suis un gros fan. Voilà. Après, j'ai pris pour finir la vidéo, j'ai pris celui-là. Franchement, j'ai craqué aussi pour celui-là. Le collector Crash Bandicoot. Je sais que j'adore ce genre de jeu. Vu que je collectionne la PS4, forcément, il y a des titres qui m'intéressent. Donc, je sélectionne. Hein, je suis pas comme Alex Gaming qui, bah, lui, il prend ce qu'il veut. Hein, mais moi, je sélectionne certains trucs qui m'intéressent. Donc, j'ai pris celui-là qui m'a coûté quand même 90 balles. Hein, franchement, j'ai craqué mon portefeuille. Hein. Franchement, super, hein, j'ai vraiment craqué hein, pour ces achats. Hein. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. C'est moi le Doom Slayer. Sur ma chaîne, tu trouveras des vide-greniers live. Et si t'es pas une tapette, des achats boutiques. Les collectiques que je trouve sont du PS1, PS2 et PS3. Alors si t'as un problème avec ça, me fais pas chier. Salut les amis, c'est Doomslayer. Alors, j'ai pas Jean-Marc. Hein. Jean-Marc, il coûte trop cher, j'arrive pas à le trouver. Alors, ma mascotte sur ma chaîne, c'est Pikachu. Salut les amis, Pika! Pika Pikachu! Ouh! Voilà, c'était une Doomslayer. J'ai pris de la PS2. Voilà, enfin, j'ai trouvé ce jeu pour mon full set. Voilà, donc on se retrouve à bientôt, les amis. Ciao! Pika!